Quand vous voulez. Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Lucien Charbonnier, membre sociétaire depuis 2016 de la Société d'Histoire de Lyon. Comment présenter M. Charbonnier ? Tout simplement, en quelques mots, vous êtes le spécialiste de Saint-Priest. Grâce à vous, nous connaissons les richesses patrimoniales très importantes de Saint-Priest, autour de son château et du village, on peut dire, que vous nous avez fait visiter d'ailleurs lors de la sortie de la Société d'Histoire en 2020. Pour diffuser, pour faire connaître tous vos travaux, vous avez créé en 1997 un cercle, le cercle Iulius Victor, qui se consacre à des publications autour du château et du village de Saint-Priest. Et l'avant-dernier numéro est justement consacré au vicomte de Saint-Priest. Et nous allons maintenant avoir le plaisir de vous entendre nous présenter toute cette épopée. On peut dire que c'est une épopée extraordinaire. Merci d'avance. Comme vous voulez. Oui, bonjour. Merci pour votre accueil dans ces magnifiques locaux anciens mais vénérables. Donc, je suis venu de Saint-Priest, qui n'est pas si loin, bien sûr, pour vous parler du destin russe des vicomtes de Saint-Priest. C'est une enquête qui a démarré il y a une vingtaine d'années, progressivement, et j'ai accumulé énormément de documents, beaucoup plus que ce que je pensais, parce que c'est vrai que cette famille, à partir de la Révolution jusqu'au début du XXe siècle, on peut le dire, a connu toute une destinée en Russie. Alors c'est vrai que la Russie, ça fait, quand on est français, ça fait toujours un petit peu rêver. Et c'est vrai que leur épopée, leur aventure collective fait rêver quand même. Donc au départ, la famille Guignard de Saint-Priest, le premier représentant s'appelle Jacques Guignard, c'est lui qui achète la terre de Saint-Priest en 1645. Les Guignard, son père Jean Guignard, était d'origine parisienne et il est enterré dans la chapelle des Parisiens de l'église des Cordeliers de l'époque. Donc là, Jacques Guignard s'est enrichi, il achète ce château et il devient, par l'aide patente du roi Louis XIV, vicomte de Saint-Priest en 1646. Jacques Guignard sera également premier échevin de la ville de Lyon dans les années 1650. Son arrière-petit-fils, Jean-Emmanuel, devient intendant de Languedoc en 1751. C'est vraiment un personnage important déjà. Son épouse était Jeanne de Barral, la famille de Barral possédait les forges d'Alvar et les mines de fer. C'était des gens très riches. Jean-Emmanuel a une assez nombreuse famille en Languedoc, dont l'aîné Marie-Joseph qui lui succède. Il a également un cadet, François-Emmanuel, qui lui, n'hérite pas. C'est un homme très intelligent et qui est doué pour les relations humaines et qui se dirige vers la diplomatie. Il pense que c'est quelque chose qui peut l'intéresser et il veut faire carrière dans cet état. Et à 28 ans, il est nommé premier poste ambassadeur à Lisbonne, au Portugal, en 1768, puisqu'il est né en 1735. Je vous ai mis une petite photo du château de Saint-Priest dans les années 60, alors qu'il était complètement entouré d'arbres. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est l'arrière-plan. Il n'y a absolument rien de construit. Il n'y a aucune barre HLM, il n'y a aucun lotissement, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est une photo intéressante. Voilà. Lorsqu'il revient de Lisbonne, François-Emmanuel, c'est vraiment le personnage central de l'histoire. Et c'est lui qui, il espère un poste plus important et on lui propose le poste d'ambassadeur en Suède. Ça l'intéresse, c'est un petit peu mieux, c'est pas formidable, mais au temps de Louis XV, son premier ministre, le ministre plus important, c'est Vergennes. Et Vergennes, il a décelé assez rapidement que cet homme-là, qui est beaucoup plus jeune, pouvait un jour peut-être lui faire de l'ombre. Donc il se dit, je ne vais pas l'envoyer en Suède, je vais plutôt l'envoyer dans un poste qu'il ne pourra pas refuser, c'est Constantinople. Et Constantinople, évidemment, pour un jeune diplomate comme lui, c'est vraiment un très gros poste.
c'est 104 000 livres de salaire, on va dire, annuel. Donc, pour un jeune noble comme lui qui n'a pas d'état, qui n'a pas de fortune, vraiment, c'est très intéressant. L'avantage de Constantinople, c'est que, le désavantage d'abord, c'est que c'est à 3 semaines de courrier de Versailles. Donc, vous êtes loin de la cour, vous êtes un peu oublié. Mais le gros avantage, c'est que comme vous êtes un peu seul et oublié, finalement, vous êtes assez libre. Voilà. Donc là, c'est un portrait de François-Emmanuel en 1774, tout début de son poste d'ambassadeur. Alors, c'est là où la chose commence à être intéressante, c'est que Constantinople, dans les années 1770, c'est vraiment la grande affaire de ce moment, c'est que c'est un lieu stratégique parce que l'Empire ottoman est en pleine décadence. Et au nord, de l'autre côté de la mer Noire, au nord de la mer Noire, on a un empire qui lui est en pleine expansion, c'est l'Empire russe. Et donc constamment, les Russes et les Ottomans, les Turcs, sont en conflit, et régulièrement, ce sont les Russes qui prennent le dessus. Et tout ça va se terminer par différents traités, dont en 1774, le traité, dont j'ai pas mis le nom, très compliqué à prononcer, mais dans ce traité, François-Emmanuel de Saint-Priest va être vraiment partie prenante, et c'est lui qui va organiser les négociations entre les deux parties. À l'issue de ce traité, la Russie récupère tout le territoire qui est au nord de la mer Noire, jusqu'à aujourd'hui l'Ukraine, qu'on va appeler plus tard la Nouvelle-Russie. Voilà. Et entre autres, il récupère la Crimée. La Crimée qui était quand même un territoire éminemment turc, avec les Tatars, musulmans, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, les Russes... Là où l'histoire revient, les Russes considèrent toujours la Crimée comme un territoire russe, voilà, qu'ils ont conquis sur les Turcs. Donc les Russes sont assez satisfaits, même très satisfaits, et ils veulent récompenser le comte de Saint-Priest. Donc ils lui proposent une récompense qui est la croix de Saint-André. Déjà, une bonne récompense. Alors il se dit, non, moi je suis correct, je suis français, ambassadeur de France, si je dois avoir une récompense, elle doit venir de la France. Donc il fait un courrier à Vergennes pour... plus ou moins solliciter une récompense. Et Vergennes ne lui répond même pas. Donc il est un petit peu vexé, et finalement il va accepter la décoration russe. C'est là qu'il va commencer à avoir des relations privilégiées avec les Russes. Et puis il fait aussi preuve d'une grande habileté, c'est qu'il y a un prince Repnine russe qui est fait prisonnier par les Ottomans autour d'une bataille en Roumanie, et les Ottomans veulent absolument pas le libérer, et François-Emmanuel de Saint-Priest va arriver à le faire libérer très rapidement. Ce qui fait que la famille Repnine va vraiment avoir une reconnaissance éternelle pour lui, parce que non seulement ils n'auront pas à payer de rançon, mais en plus, il va être libéré très vite, ce prince russe. Donc tout ça va faire que il a des attaches avec les Russes dès les années 1770. Il revient enfin en France en 1785. Il a déjà 50 ans, Vergennes l'a bien laissé... mariné en Turquie. Il a 50 ans, il passe par le château de Saint-Priest, qu'il trouve assez banal, donc il le néglige un peu. En fait, il se dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que j'aille à Versailles, que je rencontre le nouveau roi Louis XVI, de nouveau quelques années. Et rapidement, il intègre le Conseil d'État, il devient même ministre de Louis XVI en 1788 avec Necker. Malheureusement, en 1789, les choses tournent mal. Encore une fois, il manque le coche. Il essaye de convaincre à chaque fois Louis XVI d'utiliser un peu la manière forte, etc. Ça ne marche pas. Et très vite, il est menacé. Donc il y a des gens qui lui conseillent de partir, parce que sinon, ça va tourner mal. Et effectivement, tous ceux qui étaient avec lui, qui ne sont pas partis, ont fini guillotinés. Donc sa femme part dans un premier temps à Londres, et puis il la rejoint dès le printemps 1791. Mais tout de suite, il a une idée, c'est qu'il sent bien qu'il est en train de tout perdre. Il avait un très bel hôtel particulier dans le faubourg du Roule, entre le faubourg Saint-Honoré et l'Étoile. Il avait une très grande propriété au bord de la Seine, à Ris-Orangis. Tout ça, c'est perdu. Donc il se dit, comment je peux me...
rebondir, comme on dirait aujourd'hui. Donc il décide d'aller en Suède où sa femme retrouve son frère, qui est ambassadeur aussi là-bas. Et l'avantage de la Suède et Stockholm, c'est que vous êtes à une semaine de Saint-Pétersbourg. Donc il décide très vite d'aller à Saint-Pétersbourg, où il espère rencontrer l'impératrice Catherine, qui bien sûr est au sommet de sa gloire à cette époque. Elle est en même temps curieuse de le rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas vrai ça. Donc François-Emmanuel de Saint-Priest et Catherine II passent carrément deux semaines ensemble à beaucoup parler, beaucoup échanger. Elle veut avoir des maximum d'informations sur la Révolution française parce que c'est quelque chose qu'elle a du mal à comprendre. Et elle lui propose même, à l'issue des deux semaines, de devenir son ministre, de passer à son service. Alors lui, il dit non, moi, je suis au service de mon roi, Louis XVI. Et voilà, il décline l'invitation, la proposition, assez logiquement. Enfin, un portrait. Finalement, bon, au bout de deux semaines, François-Emmanuel quitte la capitale russe, mais avant de partir, elle lui fait parvenir un message au cours duquel elle lui présente, elle lui accorde une pension de 24 000 livres d'argent par an. On a essayé à plusieurs de faire une correspondance, ça fait à peu près 400 000 euros annuellement, donc c'est 35 000 euros par mois. Là, il est à vie et il va toucher cette pension jusqu'en 1821 à sa mort. Donc ça a vraiment assuré son avenir et celui de sa famille, parce que parallèlement, il a demandé des faveurs pour ses trois fils, parce que François-Emmanuel a trois garçons et trois filles, et donc ses trois fils, dont l'aîné a déjà 15-16 ans, et il aura obtenu des postes dans l'armée russe. Donc François-Emmanuel va retourner en Suède, il va rester au service de Louis XVIII, jusqu'en 1807. Là, c'est déjà un homme qui a pas loin de 70 ans, donc pour cette époque, c'est pas mal, hein, courir de la Suède à la Russie, Berlin, Vienne, Varsovie. C'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Mais bon, apparemment, c'est vraiment quelqu'un qui avait une grosse santé. Voilà. Donc l'aîné de ses fils, Guillaume Emmanuel, lui, il est né à Constantinople, comme les autres d'ailleurs, comme le cadet. Donc Guillaume Emmanuel, c'est vraiment un militaire dans l'homme. Lui, dès qu'il arrive en France, il assiste à un défilé militaire à Marseille, et il se dit, moi, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc il est dans un régiment de la garde impériale, et il va gravir tous les échelons. Alors, il comprend bien dès le début, il a écrit aussi ses mémoires. Dans cette famille, tout le monde écrit ses mémoires. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'on peut recouper les informations. Et bien sûr qu'il est avec des jeux, il a 18 ans, il est avec des petits Russes qui n'acceptent pas bien les étrangers comme lui, donc il se dit, il faut vraiment que j'apprenne le russe très rapidement. Et c'est une famille où ils apprennent les langues très facilement. Ils parlent facilement 5-6 langues chacun. Le fait qu'il parle évidemment français, dans la bonne société russe, dans la noblesse russe, tout le monde parle français d'abord. Donc ça crée des jalousies aussi dans l'armée russe, parce que quand il est même ami avec le futur empereur, tsar Alexandre Ier, bah, ils parlent entre eux en français. Donc les jeunes nobles russes qui sont avec eux ont du mal à suivre quelquefois, donc ça crée des problèmes. Mais il va se retrouver dès 1804 à Austerlitz, par exemple. En 1804, il a 18 ans, il est tout jeune. Et à ce moment-là, c'est vrai que chaque fois il le dit, il admire l'armée française. Bien qu'ils soient adversaires, ce sont des admirateurs de Bonaparte, qui est pour eux effectivement un génie militaire. Il va être à Austerlitz, il va être à Friedland aussi en 1807. Et là, il va être avec son petit frère Louis, ils vont être blessés tous les deux.
et ils vont échapper à la mort vraiment miraculeusement deux, trois fois de suite en une semaine. Mais ils vont réussir à s'en sortir. Ensuite, il va être envoyé toujours combattre les Turcs dans le territoire actuel de la Roumanie, de la Bulgarie. Et à chaque fois, ça va être des conquêtes russes qui vont permettre de libérer tous ces territoires. Et puis, arrive 1812, et là, c'est Napoléon qui entame sa fameuse campagne de Russie, et qui se trouve coincé par l'hiver à Moscou, donc essaye de revenir, c'est la retraite. Et donc, toutes les armées russes disponibles sont envoyées pour couper la retraite de Napoléon. Et donc, lui, il va faire partie de toutes ces armées russes qui vont poursuivre Napoléon depuis Moscou, Smolensk, jusqu'à Vilnius, etc. Et arrivé à Vilnius, la capitale actuelle de la Lituanie, les Russes trouvent des milliers de jeunes soldats français qui sont en train de mourir de froid, il fait moins 25, ils ont été abandonnés par Napoléon qui est déjà rentré à Paris. Et donc Alexandre Ier, l'empereur, le charge de s'occuper des Français. Donc il va éditer à ce moment-là, ça c'est son portrait à l'époque, Son Excellence Monsieur le Général, comte de Saint-Brice. À ce moment-là, il est déjà général. Et c'est lui qui va organiser le sauvetage un petit peu de milliers de soldats français dans Vilnius. Il y en a quelques-uns qui ont été retrouvés il n'y a pas très longtemps en faisant des travaux d'urbanisme dans Vilnius. Ils ont retrouvé des centaines de soldats français avec les chapeaux en poil, etc. Voilà. Oui. Donc il a fait partie de ce que les Russes appellent la guerre de libération de 1812, la guerre patriotique de 1812. Donc on a eu l'occasion d'aller au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et il y a une galerie, la fameuse galerie de la guerre patriotique de 1812 dans laquelle figurent tous les portraits de tous les généraux russes qui ont participé à cette guerre de libération et il y a ce portrait de Guillaume Emmanuel de Saint-Priest qui figure dans la galerie. Alors malheureusement pour lui, enfin, il va continuer à poursuivre Napoléon jusqu'à de Leipzig en 1813, octobre. Et puis il va passer le Rhin à Koblenz, justement, un historien franco-allemand qui a beaucoup étudié le sujet, à la tête de 30 000 hommes. Il va continuer la poursuite, il rentre en France, à la bataille de Reims, il s'empare de Reims en 1814, début mars. Sauf que pour Napoléon, c'est sa dernière grande contre-attaque. Et tous les témoignages concordent. Ils s'observent mutuellement. À la longue vue, qu'est-ce qu'il voit d'un seul coup? Il voit Napoléon sur son cheval blanc. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Et Napoléon, d'un autre côté, dit, il y a des officiers russes sur la colline là-bas. Il dit, un de ses meilleurs artilleurs, pointeurs, il dit, on voit deux, trois boulets là-bas. Et malheureusement, un des boulets latins qui lui arrache l'épaule et il est blessé mortellement. Il va mourir trois semaines après à Londres. Donc il meurt à 38 ans en 1814, mars 1814, une semaine avant l'entrée des Russes dans Paris. Donc c'est un destin militaire et malheureusement qui se termine. Voilà. Ils étaient trois frères, alors je passe directement au plus jeune, Louis-Emmanuel, qui est né lui en 1789, il est né au Louvre. Son parrain c'est Louis XVI, sa marraine c'est Marie-Antoinette. Voilà. Il va suivre son grand frère un petit peu partout en Russie. À 16 ans, il va prendre à la bataille de Friedland une balle qui lui traverse le poumon. Il va réussir à survivre. Il est même mort à 92 ans. Donc, comme quoi. Au cours de la campagne de France en 1814, il est fait prisonnier. L'ordre est donné de le fusiller, mais l'ordre est heureusement intercepté par des Prussiens. Il échappe encore à l'exécution. Bon, finalement, il va se marier avec une princesse, une noble. De la personne de la noblesse française. Bon, j'ai oublié le nom. Et il aura une descendance française. D'ailleurs, les descendants qu'on trouve aujourd'hui de cette famille descendent surtout de Louis et de son épouse. Voilà. Maintenant, on va parler du troisième frère, le cadet, allez-y. Donc, merci. Armand Charles-Emmanuel. Lui, c'est pas un militaire, c'est plutôt un intellectuel. Il écrit d'ailleurs très bien, il a écrit énormément de mémoires, de souvenirs. Avec les 20 premières années, il y a à peu près 300 pages. Il a été vraiment très prolifique.
Et lui, bon, bah, pareil, il suit son frère, il est dans l'armée russe, tout ça. Et puis en 1802, il y a un moment de paix, ils viennent à Paris, ils racontent un peu tout ça. Et puis en 1803, bon, bah, ils repartent à Saint-Pétersbourg. Et à Saint-Pétersbourg, ils retrouvent bah, des amis de, des parents, et puis ils sont bien accueillis dans toute la société de la grande noblesse russe. Voilà. Mais comme il raconte, il n'est qu'un petit immigré français qui est seulement lieutenant. Mais dans cette société, il rencontre ben, des gens très très importants, de plus grandes familles russes, des petites premières. Et il se trouve qu'il va plaire à une princesse russe qui est un peu plus âgée que lui, qui n'a pas trouvé chaussures à son pied, et qui se trouve ce petit français ben, tout mignon finalement. Donc lui, il se demande ce qui lui arrive un petit peu, il faut reconnaître. Mais bon, elle, visiblement, elle veut se marier avec lui. Et donc, on a son portrait. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est une princesse Golitine, Sofia Golitine, qui est née en 1777, lui en 1782, donc elle est 50 plus âgée que lui. Mais c'est vraiment le haut du panier de la noblesse russe. Hein. Donc, il demande permission à ses parents. Évidemment, les parents qui sont en émigration à Stockholm sont ravis de voir leur fils épouser une princesse comme ça, parce que c'est vraiment inespéré, on peut dire. Chose importante, ce portrait, là, j'ai pas le droit de publier. Hein, j'ai pu obtenir des portraits par les descendants de la famille, mais beaucoup, j'ai pas le droit de les publier. Par contre, j'ai le droit de les montrer dans une conférence. Il va quitter l'armée russe parce que bien sûr il est marié, et par contre il va intégrer l'administration de l'Empire. Voilà. S'il vous plaît. Oui, ils vont avoir trois enfants, donc ils se marient à Saint-Pétersbourg en 1804. Ils auront trois enfants, Alexis en 1805, Emmanuel en 1806 et Olga en 1807. Ces trois vont mourir relativement jeunes quand même. Bon, je vais vous en parler après. On va revenir sur la diapo suivante. Donc, c'est la vie d'Armand. Et très vite, dès 1804, il est sollicité par le duc de Richelieu. Le duc de Richelieu, qui est un descendant d'un frère du cardinal. Voilà. C'est un homme vraiment d'une intégrité à toute épreuve, qui a connu la Révolution française, qui est allé combattre avec les Russes aussi. Donc il connaît bien la Russie. Et à ce moment-là, il y a un projet colossal en Russie qui se met en place suite au traité de la fin du XVIIIe siècle. Il faut administrer, coloniser, mettre en valeur toute la nouvelle Russie qui va entre en gros de Kiev à la mer Noire. Et pour un projet comme ça, en Russie, on manque d'hommes. Les nobles ne sont pas versés dans l'administration, des choses comme ça. Donc, dans un premier temps, Catherine II puis Alexandre Ier vont chercher du savoir-faire, on va dire, comment dire aujourd'hui, à l'étranger, en France, en Allemagne, en Flandre, éventuellement en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et l'organisateur de toute cette colonisation, cette mise en valeur de tout le sud de la Russie, c'est le duc de Richelieu qui va la faire, et il propose à Armand de venir le rejoindre. Et Armand va être pendant plus de 10 ans son bras droit. Voilà. Et le point important, c'est Odessa, qui est un port. Donc il va falloir construire un port, construire une ville. C'est vraiment comme à l'époque du Far West. Voilà. Sauf que là, l'État russe est vraiment impliqué, finance les infrastructures, crée des villages, font venir des milliers d'immigrants, beaucoup d'Allemands, d'Alsaciens. C'est pour ça qu'on trouve des villages qui s'appellent Strasbourg, comme ça. Des Suisses. Vont venir pour faire de la vigne, beaucoup d'Italiens, de Grecs, de Bulgares, un peu tous les peuples qui n'avaient pas de pays, hein. Énormément d'Italiens. Voilà. Donc ça va durer un certain temps. Et puis ensuite, Armand va être également nommé gouverneur de Podolie et de Voligny, deux provinces importantes qui étaient polonaises, mais que les Russes avaient annexé en 1795, quand il y a eu le partage de la Pologne. Voilà. Donc là, une petite carte de l'Ukraine, avec la mer Noire, la Crimée,
Et puis Odessa qui est là. Voilà. Et puis l'Ukraine aujourd'hui. Donc ils se retrouvent même, Armand se retrouve gouverneur de la Podolie, de la Volhynie en 1811-1812 et de Kherson en 1816. Kherson est à côté d'Odessa, toujours sur la mer Noire. Et là, il va aussi toujours mettre en valeur, ça j'ai trouvé ça sur les, toutes ces informations sur le site internet de la ville de Kherson aujourd'hui, avec une historienne, Maria Tarasova, qui a fait l'histoire. Il a, Armand, à titre personnel, va même avoir 100 000 hectares, c'est énorme, une exploitation avec des moutons. Voilà. Là, c'est vraiment une région où on peut élever beaucoup de moutons qui viennent d'Espagne pour beaucoup. Et il va faire venir des bergers français. Ils vont créer un village qu'ils vont appeler la Petite France. Donc, et avec ça, bien sûr, il va exploiter. Alors, la viande de mouton est exportée, mais la laine est exploitée sur place. Donc jusqu'à cette époque, les Russes qui lavaient la laine utilisaient des procédés chimiques qui étaient très nocifs pour la santé, pour les poumons notamment. Et les gens avaient une espérance de vie très courte. Alors non, bah, carrément créer une usine pour le lavage de la laine de façon industrielle. Et tout ça va vraiment moderniser, apporter de la modernité dans tous ces pays-là. Et aujourd'hui encore, l'historienne que j'ai citée tout à l'heure dit que Armand de Saint-Priest a apporté la lumière de la France un petit peu dans leur pays. Voilà. Vas-y. En 1821, son père, François-Emmanuel, décède à 86 ans en place de la Cour. L'été, il était au château de Saint-Priest, mais l'hiver, comme aujourd'hui, il était dans la maison de Moidières, qui était sur la place Bellecour, on m'a dit peut-être même rue des Marronniers, une sorte de pension de famille, de retraite pour les nobles comme lui. Et donc, il décide de revenir en France, parce que son père était pair de France. Donc, pair de France, c'est le titre aussi. Et il revient en France avec son fils Alexis. Et il décide de se lancer dans la rénovation du château de Saint-Priest. Et là, ils vont dépenser vraiment une fortune. Ils vont refaire agrandir le parc, qui donne le parc actuel. Ils vont refaire la façade, ils vont refaire tout l'intérieur. Ils vont mettre un ameublement, la liste précise, mais vraiment. Et au moment de payer les fournisseurs, malheureusement, ils ont fait un peu ça à la russe. Ils n'ont pas les moyens de payer tous les fournisseurs. Donc les fournisseurs lui font un procès, ils s'emparent du château et ils perdent le château de Saint-Priest en 1838. Là, c'est une caricature d'Aumier que j'ai retrouvée aussi sur eBay. Il est à ce moment-là député au Sénat, c'est sénateur à Paris. Et il continue à correspondre toujours avec les intellectuels russes, ou franco-russes comme Mérimée. Mais aussi Pushkin, Gogol. Mérimée dit qu'il a appris la mort de Nicolas Gogol par Armand de Saint-Priest. Donc tous ces gens-là correspondaient énormément. Lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un intellectuel, un écrivain, et c'est vrai qu'il était vraiment. J'ai retrouvé des lettres aussi avec des échanges de lettres avec Tourguenieff. Donc c'est vraiment. Il est vraiment imbibé de la culture russe de l'époque. Et la révolution de 1830, qui ne lui plaît pas trop, celle de 1848, c'est un peu définitif. Et il décide de retourner en Russie, à Odessa, là où je pense son cœur a toujours battu. Et il fait construire une villa à Odessa, au bord de la falaise, dans le quartier d'Arcadia. Et cette villa, ben, on a une photo, j'ai réussi à avoir il y a quelques années, photo 1900. C'est une très belle villa, et il l'appelle la villa Priou. Et un beau jour, il dit, tiens, Priou, ça veut dire quoi en russe? Et ça veut dire le refuge. Voilà. Donc en fait, il est avec sa bibliothèque, que j'ai retrouvée aussi partiellement. Il manque tous les œuvres complètes de Lamartine, et tout ça. L'œuvre originale, c'est une bibliothèque extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette villa Priou a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a été reconstruite à l'identique. Voilà. Donc ça, c'est une vue d'Odessa aujourd'hui.
Donc là, vous avez la plage avec les résidences modernes, c'est un peu Cannes. Hein. Et là, vous avez toujours la villa Prioré qui a été reconstruite, qui bizarrement a un petit peu le plan du château de Saint-Priest, hein, en rue. Donc cette villa a été reconstruite, existe toujours. Évidemment, Odessa a changé. Hein. C'est plus. Je suis parti. Ce qui est intéressant, c'est que pour les historiens odessites d'aujourd'hui, tout ça est très, très vivant. Pour eux, le duc de Richelieu, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils l'appellent notre duc. Ça fait vraiment partie de leur histoire, parce qu'en même temps, c'est la genèse, c'est vraiment la naissance de la ville en même temps. Et Odessa, c'est 1 million d'habitants quand même. Hein. Voilà. Et puis, bon, Odessa, c'est plus qu'une histoire du 19e siècle, avec toute l'immigration juive qu'il y a eu. Tous ces juifs qui sont partis en Amérique ensuite, qui ont créé des villes, Little Odessa, enfin à New York ou ailleurs, c'est plein de choses. Voilà. Il revient en France en 1855, malgré tout. Il a son petit frère, son jeune frère, qui est dans le Val-de-Loire et qui lui dit « Non mais reviens, tu ne vas pas rester là-bas indéfiniment. » 1855, c'est aussi l'avènement de Nicolas Ier, le tsar russe. Donc c'est aussi un changement de régime, de changement d'époque, de génération. Et, grande chance, la famille, les descendants m'ont communiqué une photo d'Armand vers 1860, un an ou deux avant ça. Donc cet homme qu'on a en photo, c'est lui qui est né à Constantinople. Voilà, donc on a la chance d'avoir cette photo d'Armand de Saint-Priest, photo prise vers 1860. Il est mort en 1863, hein, à 81 ans. Mais on a une photo voilà, de cet homme qui est né à Constantinople, qui s'est marié avec une princesse russe, qui a été gouverneur à Odessa, tous ces territoires russes, qui est revenu en France, qui est reparti à Odessa en Russie, et puis bon, qui est revenu finalement mourir à Paris. Ses funérailles ont eu lieu à l'église de la Madeleine, et il est enterré dans le Loir-et-Cher au château de son frère. Voilà. Donc c'est quand même un document exceptionnel que j'ai eu le droit de publier, voilà, parce qu'il était dans un album photo de la famille. Donc il a eu trois enfants. Le premier c'est Alexis, parce que du côté de sa femme, dans les Yalitsin, chez les Yalitsin, ils s'appellent tous Alexis ou Alexeïev. Donc ça c'est un portrait non plus que je n'ai pas le droit de publier, qui se trouve au château de Virieux. Au château de Virieux, je suis passé devant, je ne savais pas, et puis bon, m'indiquer là c'est Alexis. Alexis vient en France en 1821, il ne connaît pas la France, hein, il a 16 ans. Il a été élevé à la russe, on va dire, hein, c'est-à-dire les principes de la noblesse russe, pas de la noblesse française. Mais évidemment, il est bilingue, donc il va traduire des auteurs français, il va aussi faire des recherches, écrire plusieurs livres sur les jésuites, etc., qui n'auront pas de succès. Mais par contre, il va se présenter à l'Académie française en 1849. Il y a plusieurs concurrents, mais c'est lui qui va être élu au fauteuil qui était libre à l'Académie française. Alors pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que son concurrent, lors de l'élection, c'était un gars qui était beaucoup plus connu aujourd'hui, c'est Honoré de Balzac. Voilà. Vous voyez, c'est pas parce que vous perdez une élection. Hein, okay. Donc lui, il va se marier avec une Française aussi, et ils vont avoir deux filles. Et c'est une des deux filles, Sophie, qui va se marier en deuxième noce avec Henri de Charpin-Feugerolles. Voilà, que vous connaissez. Et c'est par ce canal-là que les archives familiales vont accéder à l'arrière-petite-fille qui va se marier avec un Henri de Virieux. D'où beaucoup de souvenirs des Saint-Priest au château de Virieux. Le deuxième fils, alors lui c'est un peu le fils maudit, il est né en 1806, il est mort en 1828. On n'a aucun portrait de lui dans la famille, c'est le sujet tabou. On ne parle pas d'Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel comme beaucoup d'Emmanuel. Sur le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Sauf qu'avec Internet, on cherche, et puis des fois on tombe sur des trucs. Cet Emmanuel, il était de la génération de Pouchkine.
Ils avaient 4-5 ans de différence à Saint-Pétersbourg. Ils menaient une vie d'artiste romantique de l'époque du début du 19e siècle. Comme on dirait aujourd'hui, vraiment une vie de patachon. C'était scandale sur scandale. Et Pouchkine, c'est comme ça qu'il a été transféré, pour ne pas dire déporté, dans le sud de la Russie et ensuite à Odessa. Ou peut-être qu'il a sans doute rencontré Armand. Emmanuel, c'est pareil. Alors lui, il était caricaturiste, très doué pour le dessin. Et là, c'est un autoportrait. Alors, il y a des portraits de son père Armand, on voit qu'ils ont vraiment le même profil. Et j'ai trouvé bizarrement un album de ses caricatures qui a été constitué après sa mort et qui se trouve dans les archives à Saint-Pétersbourg. Et il a fait énormément de caricatures de la société russe de Saint-Pétersbourg des années 1815-1825. Il est vraiment doué pour ça. Et il est venu à Berlin, puis à Paris, et puis bon, il s'est fait un peu virer de partout, et il s'est retrouvé à Rome. Et à Rome, il est tombé amoureux d'une princesse russe, je crois, ou italienne, qui l'a conduit, et de désespoir, il se serait suicidé. Voilà, en 1828. Donc très jeune, à 22 ans, quoi. Mais c'est vraiment l'archétype du romantique qui finit mal, malheureusement. Par contre, il va passer à la postérité, toujours par Pouchkine, qui, dans son roman en vers Eugène Onéguine, va le citer deux fois. Bon, pour les Russes, Pouchkine, évidemment, c'est un monument. Hein, c'est Victor Hugo plus Molière plus. Voilà. Donc, le fait d'être cité deux fois par Pouchkine dans un roman, déjà, vous accédez au panthéon de la littérature russe. Mais pour la famille, c'est vraiment. On en parle. Bon, on a quand même un petit portrait qui est bon. Troisième enfant, c'est Olga. Olga, alors elle est pratiquement restée toujours en Russie. Elle a été mariée avec un cousin lointain d'Olgoruki. On a ce portrait qui était en vente aux enchères il n'y a pas très longtemps. Voilà. Dans leurs archives, un point intéressant sur elle, c'est que chaque fois qu'elle avait besoin d'acheter des vêtements, des toilettes, etc., elle venait à Paris. Donc elle faisait le voyage Saint-Pétersbourg ou Moscou, elle venait à Paris. Et la famille a conservé tous ses tickets de caisse. On sait exactement ce qu'elle achetait, dans quel magasin. Évidemment. Elle meurt assez jeune aussi en 1853. Donc Armand a perdu ses trois enfants assez jeune. Pour... On ne sait pas de quoi elle est morte. Alexis, le premier, est mort sans doute de la typhoïde en allant voir sa famille à Moscou, en 1851. Emmanuel, on a vu, à Rome, elle, on ne sait pas. Et par contre, elle va avoir un fils, Alexandre. Voilà, elle se marie avec un prince d'Olgoruki. Ils ont un fils, Alexandre, en 1839, et deux petits-fils, Alexandre, en 1866, et Vassili, en 1868. Alors, les deux seront très attachés au tsar Nicolas II, et malheureusement, ils vont le suivre. Dans le tragique, hein, ils vont pour l'un être exécutés à Ekaterinbourg 2-3 jours avant Nicolas II, l'autre, on ne sait pas trop, sans doute exécuté à Moscou. Et page suivante, on a une photo en couleur, voilà, et Vassili Dolgoruki, donc l'arrière-petit-fils d'Armand, qui est sur cette photo, donc de 1810-1815. 910. J'ai dit 1800. Voilà. Donc, ce sont les derniers descendants russes d'Armand de Saint-Priest. Je crois qu'il y a... Voilà. Donc, de 1768, date où François-Emmanuel est à Constantinople, jusqu'en 1918, ce sont près de 150 ans d'histoire entremêlés entre la famille Guignard de Saint-Priest et la Russie. Donc j'ai pu publier un ouvrage pour récapituler, raconter toutes ces histoires, dessiner, pour faire une synthèse de leur vie, et qui aujourd'hui se trouve être plutôt un point de départ pour de nouvelles recherches, étant donné qu'il y a énormément d'archives concernant cette famille. Voilà. C'est une famille qui aujourd'hui est malgré tout plus connue en Russie qu'en France. Mais il y a des archives, comme ils ont énormément voyagé,
Il y a des archives à Berlin, à Vienne, à Londres, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg notamment. J'ai fait une petite recherche, il y en a. Il y en a sans doute à Moscou aussi, à Odessa beaucoup. Je correspondais via Facebook avec un historien d'Odessa qui était vraiment très très reconnu, qui avait mon âge et qui est mort en septembre dernier, mars dernier. Pardon. Mais lui aussi m'a communiqué des éléments. Je ne l'ai pas cité, mais il était vraiment, il connaissait toutes les archives d'Odessa. Donc, voilà, donc c'est quand même une épopée qui était intéressante à raconter. Et puis dernière diapositive, voilà, cette photo du Kremlin de Moscou. Parce que bon, pour nous Français, Moscou, c'est toujours le Kremlin, c'est la place rouge, ça nous fait toujours un peu rêver. Et quand on se promène dans Moscou avec des guides russes, ils disent toujours les Français, on est un peu comme les Russes, on a un côté sentimental, nostalgique, qui fait qu'on arrive à s'accorder sur certaines idées, certains sentiments. Mais c'est vrai que bon, faire des recherches historiques dans un cadre comme ça, c'est vraiment voyager et c'est ce qui est très agréable. Voilà. Merci de votre attention. Il y a certainement des questions. Oui, parlez fort, s'il vous plaît. Une question sur les aléas de la richesse des camps de Saint-Priest. Il semblerait qu'avec Armand, il y ait des moments où la richesse est au plus bas. En fait, ils avaient une façon de vivre, ils se sont russifiés, on va dire. Voilà. Alors pour les Russes, c'est Karl Frantsovitch Saint-Priest. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont devenus un peu, enfin les auteurs disent, ils sont devenus franco-russes. Et alors ils avaient ce côté français un peu quand même assez progressiste, plus ou moins à cause de la révolution, mais ils comprenaient quand même qu'il fallait faire évoluer les choses. Et puis ils avaient ce côté russe qui était vraiment archaïque, mais qui permettait à la noblesse de mener un train de vie, comment dire, exorbitant, exagéré, extravagant. Voilà, hein, comme on dit, on boit dans un verre, hein, on jette le verre en cristal derrière soi. C'était ça, les Russes. Et donc, Armand n'a pas hésité à emprunter de l'argent à toute la famille, à sa belle famille et tout, pour vraiment faire du château de Saint-Priest, tout près de chez nous, là, quelque chose d'hyper luxueux. Mais sans penser au lendemain, et ça, c'est typiquement russe. Hyper luxueux, dans quel sens? Y avait-il des collections? Alors, il y avait énormément. Ce qu'il y avait de plus riche, c'était des glaces. Ils confectionnaient des glaces, des miroirs qui faisaient près de 2 mètres de haut. Quoi. Et ça, c'est les premières choses qu'ils ont enlevées quand ils ont vu que ça tournait mal. Parce que c'était, bon, dans les années 1830, c'était quelque chose qui valait vraiment une fortune. Tout le mobilier, on a la liste de tout le mobilier, des tableaux, des. Et ils avaient installé l'eau chaude dans le château, enfin c'était vraiment la robinetterie en cuivre, c'était, pour l'époque, il n'y avait rien de trop beau. Voilà. Et c'était un petit peu, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'on nous prête de l'argent, on dépense. Et puis le jour où ça ne va plus, ben. Mais j'ai découvert quand même qu'ils n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier, ils avaient aussi des biens en Russie. Donc. Il jouait peut-être un peu sur les deux tableaux, mais c'était faut voir. Voilà. Deuxième question, y a-t-il un autre exemple de famille qui soit autant française que russe, puisque les allers-retours, les implantations, les fréquentations montrent un double destin, à la fois russe et français, et jamais finalement. François-Emmanuel ou Armand abandonnent, on aurait pu penser, une installation complète en Russie, une carrière, un accès au pouvoir beaucoup plus important. Là, il y a des allées-venues, il y a cette sorte de double appartenance. Il y a toute une génération de jeunes nobles français qui, il y en a qui avaient même été en Amérique, au temps de Lafayette. Ils sont revenus en France, il y a la Révolution, et finalement ils choisissent de partir en Russie. Comme le général Langeron, qui est devenu gouverneur d'Odessa,
C'est vous qui avez fait la campagne d'Amérique, qui était aux Antilles, du temps de Louis XV, Louis XVI, et qui va se retrouver finalement à finir sa vie en Russie, des Lagardes, des La Rochefoucauld. Tous ces gens-là ont écrit leur mémoire. Je crois que c'est un La Rochefoucauld, il raconte le destin de beaucoup de jeunes nobles français, moins de 20 ans, moins de 15 ans. Les parents ont disparu, ont été dans la tourmente révolutionnaire, ils se retrouvent absolument seuls. Et je crois que c'est en La Rochefoucauld, sa mère lui écrit, il dit « Je suis à Odessa, viens me rejoindre ». Le gamin, il a 15 ans, il fait Paris-Odessa. Mais il raconte son parcours en passant par Venise et tout, et c'est d'un rocambolesque. On dit « Mais c'est pas possible d'inventer une histoire pareille ». Et lui, il l'a fait. Donc il y avait une solidarité en même temps, parce que des nobles français et des immigrés, il y en avait dans toute l'Europe, en Suisse, en Allemagne, en Pologne, etc. Donc, solidarité un peu intéressée quelquefois, mais il y avait quand même une solidarité. Donc ils arrivaient à trouver des relais un peu à droite, à gauche. Et puis, François-Emmanuel le dit à ses fils, parce qu'il est très vraiment, il cherche vraiment à former ses fils. Et il leur dit, la fortune, il ne faut pas s'y fier. Du jour au lendemain, on peut tout perdre. C'est ce qui leur arrive régulièrement. Hein. Donc, ils cherchent des points d'appui à droite, à gauche, en fonction de leurs relations, en fonction de leur intelligence, des langues qu'ils savent parler. Ils se disent, si un jour ça va bien là, on va là, on prend appui ici, puis on essaye d'aller ailleurs. Mais si un jour on perd tout, il ne faudra pas s'étonner non plus. Voilà. Donc, c'est une vie vraiment rocambolesque, on peut dire. Mais ils arrivent à s'en sortir parce que ce sont des gens intelligents qui trouvent des solidarités un peu partout. Et c'est ce qui fait finalement ce roman fleuve un petit peu. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on vit dans une vie qui est tellement normalisée, tellement avec l'assurance vie, on risque rien. Hein. Donc, on a de l'argent, on a ci, on a là, on a la sécurité sociale. On vit une vie qui est sans surprise, je veux dire, à part la maladie, hein, qu'à cette époque ils risquaient tout, c'était incroyable. Quoi. C'était vraiment des gens. Jusqu'en 1900, on peut dire, ils n'avaient peur de rien. Alors bon, il y en a qui mouraient à 25 ans, mais il y en a qui mouraient à 80 ans. Hein. Et pour cela, leur vie, c'était... Même après 1900, les associations de descendants de victimes de la Révolution, comme à Lyon, Lyon 93, montrent qu'il y a des familles qui ont émigré souvent en Russie et qui, en 1917, ont émigré à nouveau aux États-Unis. Alors, j'ai eu des renseignements par la famille Dobod. Cette famille a immigré en Russie, au temps de Napoléon. En 1917, ils sont revenus en Belgique. Et donc, maintenant, il y a des éléments en Belgique qui tiennent à un blog. Et par ce blog, j'ai pu avoir des renseignements aussi. C'est eux qui m'ont expliqué comment il fallait écrire Saint-Priest en russe. Pour pouvoir sur Google Russie, pour trouver le moteur de recherche. Ça m'a fait beaucoup progresser. Mais oui, il y en a qui sont partis aux États-Unis. Oui, mais c'est... Et la grande surprise qu'on a à notre époque, on a l'impression qu'on bouge beaucoup. Mais en fait, les gens à l'époque, les Saint-Priest, François-Emmanuel, à un moment, il part avec son fils de Saint-Pétersbourg. Il dit, tiens, on n'a rien à faire, on va aller voir un ancien que j'ai connu à Constantinople, dans le sud de l'Ukraine. Ils partent en traîneau. Ils se payent 2 mois de traîneau. Je me dis, mais... Personne ne le fera aujourd'hui, à part Nicolas Vanier. Hein. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment un exemple. Ça montre que, bon, c'était des gens qui avaient... Ils avaient autre chose en eux que parler de politique ou d'argent. Quoi. Voilà. Et puis les enfants étaient lâchés très jeunes. Les enfants, ils se... Armand, on a relu ses mémoires, qu'on aimait bien publier. Oui. Il se retrouve... à revenir à Paris en 1792, ça se passe pas mal. Puis en 93, c'est la terreur et tout. Et il passe de 93 à 95 à Paris, mais il raconte. Donc en 93, il a quel âge? 82, il a 9 ans, 11 ans. La vie qu'il avait, c'est un peu les... Mais, oulala, je ne souhaitais ça à personne. C'est comme les enfants en Syrie aujourd'hui. Mais tous les enfants, Oui. Il n'y en a aucun qui a été élevé par leurs parents. Hein. Et quand ça va mieux, son père lui dit, lui envoie un message, tu viens me retrouver à Stockholm. Donc il est confié à une personne de confiance, hein,
qui doit l'emmener jusqu'à Hambourg. Puis au bout de deux jours, il lui a piqué tout son fric, il dit débrouille-toi. Alors à Hambourg, il y arrive par des moyens détournés à 15 ans. Et puis de Hambourg, on lui dit, bon, maintenant on t'envoie avec une personne de confiance à Saint-Pétersbourg. Passé Berlin, l'autre, il le laisse tomber. C'est démiraculé. Hein. Et en même temps, ils arrivent à survivre, enfin, tout ça. Enfin, c'est des vies d'une densité qu'on n'imagine pas. Nous, notre vie, elle se réduit à un fascicule de 15 pages, peut-être. Eux, on peut en faire 1000 pages. Là, on est en train de transcrire une partie. Quand il est en 1802 à Paris, il dit, il vient à Paris, on veut voir deux personnes. On veut voir Bonaparte et on veut voir Tellement. Vous connaissez Tellement? C'est un sociétaire de la Comédie française. C'était une star à l'époque. C'était un comédien qui était connu dans toute l'Europe. Donc, on découvre, voilà. Ouais. Et la villa qu'ils ont construite avec des sacs, puisqu'elle a été reconstruite, ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Apparemment, ça sera le consulat de Chypre. Ah. Mais bon, l'Ukraine aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.